Bon matin! Alors, hey, on est dimanche matin, le dimanche avant de recommencer l'école. Nous autres, tes enfants sont en journée pédagogique demain, mais ils sont inscrits, la gang! Oh, j'ai un ami qui vient me rejoindre. Hello! Hello! Qu'est-ce que vous faites depuis ce matin? Danse pour se mettre du temps d'écran. Ouais, j'ai un nouveau concept! J'ai commencé ça, Evelyn. On va aller la montrer, on va t'attendre. J'ai commencé ça il y a peut-être une semaine. Que pour se gagner du temps d'écran, ils doivent faire de l'activité physique. Fait que là, ou aller dehors. Parce qu'on dirait que les enfants ne vont plus dehors de nos jours. J'ai compris. On est pas rendu sur... 16 minutes. Mais là, faut continuer. C'est ça. Fait que là, dans le fond, soit qu'ils vont dehors pour gagner du temps d'écran ou soit qu'ils font de l'activité physique, puis ils se mettent des vidéos sur YouTube, puis ils dansent. Fait que, mais t'as dit qu'il marchait pas le formulaire. Ben le formulaire, en fait, ça marche pour YouTube, mais ça marche pas pour... Là, je veux pas que vous passiez 8 heures à trouver une vidéo, parce que ça, c'est pas du temps d'activité physique. Ouais, c'est de la vraie danse, là. Va voir tes TikTok dance. OK, ma fille veut des TikTok dance. J'essaie d'apprendre à faire des tresses françaises! Maman est pas capable. C'est chiant. C'est vrai. C'est un peu capable quand même, mais elles sont pas super. Mais il faut que je me pratique. Hein, Jeannot? Jamais. Pas ça, jamais. Jamais la vie. Tu parles pas sur le bout de la langue, j'aime pas ça. Ma peanuts. Maman est une peanut. Ouais, t'es ah, j'ai hâte d'aller acheter le Dorian. Ouais! Bon, on vient d'aller faire l'épicerie, vous voyez. Hein? Il neige ce matin, il neige pas mal. Là, on s'en va où? Aller au marché. Au marché quoi? Marché CT. Oh, CT marché, au genre de marché chinois. On va aller acheter du Dorian et le tester. Non, non, on n'achète pas le fruit. Je sais pas si... Parce que... Il y a quelques mois, avec une amie, j'ai testé, je l'ai essayé le durian, voir que ça goûtait pis tout ça. Ça goûte vraiment pas bon, pis ça pue la merde. Mais là, Laurent était vraiment déçu que j'avais fait ça sans lui. Ben, lui, il voulait l'essayer, le durian pis tout ça. Ça mais pue là, la merde! Ça pue la merde. Justement, au marché chinois à côté de chez nous, j'avais vu des bonbons au durian. Fait que là, j'étais comme... Genre, je troquerais le vrai durian pour des bonbons durian pour que... Les enfants puissent l'essayer. Êtes-vous game? Ouais, mais toi aussi, tu veux essayer. OK, c'est bon. Fait qu'on va aller chercher ça. We find it. C'est quoi? Ça en vaut plus la merde. Durian. OK, on essaye ça. Check à quoi ça ressemble ici. Ça fait des affaires, genre. Ça fait la merde. Il y a vraiment des Kit Kats, genre. Dis-tu quoi, c'est genre des Kit Kats aux biscuits bretons? Ouais, il y en a plein. C'est donc bien drôle, ça. Des Kit Kats double grain. Ça, ça a l'air d'être comme au matcha. Des Kit Kats fraises. D'autres Kit Kats au biscuit breton. Whip white roll. Matcha, orange. En tout cas, je trouve ça tellement cool ici. C'est parce qu'on comprend pas trop c'est quoi que dans les sacs. Ah ben, je vais le jeter dehors. Ça pue la merde. Ah ben, quand on va finir avec... quand on peut plus en manger, on va aller se jeter. Ben, je pense qu'ils sont comme emballés individuels. Fait que ça devrait pas trop sentir à part. Quand je te dis, Laurent, moi, on dirait que je suis pas game d'essayer ça. Ah, moi, c'est moi qui voulais faire l'expérience. Ah, OK, c'est bon. Bon, je viens de revenir du Super Safe puis du marché CT. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Allez, on va voir l'épicerie. Je veux te dire quelque chose, maman, c'est le prix le plus dégueulasse. Ah, OK. Ouais, on a parlé tantôt, Jean, en vlog. C'est comme du lait au chocolat. Je mets ça dans les loges des enfants, puis je mange ça après des poids, après des entraînements. Des fois, j'essaye d'être santé, là, puis ça reste. Ça reste dans mon garde-manger, je le mange pas vraiment, mais j'essaye ça. Graines de chanvre décortiquées. J'ai vu une nutritionniste parler de ça sur Instagram.
Fait que je vais essayer ça dans mes yogourts grecs. Ça là, je mange un piment par jour. Un piment par jour? Ouais, au travail, je mange un piment par jour, j'aime tellement ça. Et pas l'hiver, l'hiver. Puis Laurent, t'as fait le déneigement? Ouais, je peux le garder par mon frère. Je te crois. Laurent fait le déneigement. Fait que. Alors! Cool. Je me suis fait. Brocoli. Mets tes trois brocolis. Ah, oh, ça crie, j'aime pas ça. Mmh. Laurent, t'es capable d'attendre 5 minutes. Ensuite, j'ai de la chair de moule. Chair de moule surgelée, ça m'a coûté 12$. Ça, là, tu mets ça genre dans des. Je l'ai pas parti, Laurent, le chrono. Là, on va en revenir un petit peu de chrono. Là. Des patates. Grelots. Des choux de Bruxelles, évidemment. Ouais. Les enfants mangent pas ça, mais moi, oui. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Les choux de Bruxelles? Ouais. OK. Dans le gras de bacon, c'est tellement bon. Céleri. Ah, oh. Non, pas les céleris. Bœuf haché, il était à 11$. Oui. Pourquoi du pâté chinois? Pâté chinois où je me fais des salades Big Mac ou des wraps Big Mac. Fait que bœuf haché, c'est toujours bon. Du poulet. Oh, ah, c'est vrai, j'en avais acheté en plus du poulet. C'est nous qui avons fait presque, on a fait une partie de l'épicerie. C'est vrai. C'est vrai. Ok, les raisins verts avec du fromage. Okay, le meilleur fromage, là, selon moi, je vais vous montrer. Où est-il? Ok. Un fromage, non, de chez Costco. Il coûte 14$. La mule, c'est comme c'était une mule. Ce fromage-là, là, Kirkland. Des cubes de fromage comme ça, avec ça ici, là. C'est la vie. J'en sais vraiment pas. On n'a pas acheté un. C'est bon, on a acheté trois. On a acheté trois. Des cerises, influençables comme je suis sur Instagram. Il y a une fille qui parlait d'un genre de post-workout style. Overnight oat, je ne sais pas si c'est overnight oat, mais il y avait l'air bon là. Elle mettait genre du gruau, des cerises, de la poudre de protéines au chocolat que j'ai pas. Il va falloir que je m'achète ça. En fait, j'en ai plus. Zeste de citron, graines de chanvre. Moi, j'ai pas de personnalité, hein. Je copie les gens. Fait que voilà. J'ai toujours de la viande à fondue parce que ma fille adore ça. De l'humus, manger avec des crudités au travail. Artichaut et épinards. Première fois que je le vois. D'habitude, j'achète aux oignons, mais là, il n'y en avait pas. C'est bon, on va essayer ça. Café, moi, maintenant, je fais mon épicerie chez Super C, là, j'aime ça, ce café-là. Il y en a comme 3-4 sortes, là, le rose, le bleu, le rouge. Ça fait un job, 7,99. Maman? Quoi? Je sais plus. 5 minutes, OK. Yes! Fromage cottage. Fromage cottage. Patate douce. Coaches from Olive noire, calamateur. Laurent tripe sur... Laurent est mieux le Subway que le McDo. Puis chez Subway, il prend combiné de viande froide avec genre du cocon, full olive noire. Pas de sauce, rien. Ensuite, Laurent tripe sur celui-là. Fait qu'on y a acheté. Alors, tu m'avais dit quelque chose, je vais prendre, je vais boire du Prime. Puis je suis pas sûre que je vais l'aimer. Si je l'aime pas, je vais le donner à Laurent parce que lui, a bu 3 bouteilles de Prime. Ouais. Ah, j'ai bu ça. C'était dans les bonnes Noël. Le Yup. T'aimeras pas ça? C'est trop sucré. Pas bon. Puis, t'aimes ça? Bon, elle aime ça. Les sous-marins comme ça pour dans les lunchs, ben Jeanne elle aime pas ça, mais Laurent justement je vais y faire comme des Subway maison, ça revient un petit peu moins cher. J'achète la viande chez Costco, ça c'est pour me essayer mes petits overnight et j'avais plus Nutella puis ça fait un bout que je dis à mes enfants. On va se laquer sur Nutella, tu sais, mais sinon ma fille mange pas vraiment le matin, fait que j'ai racheté du Nutella, l'école recommande. Je sais que c'est pas le idéal, c'est plein de trucs, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Vous, ce qui est cool avec ce nouvel appart-là, c'est que j'ai une cour clôturée. Fait que je peux envoyer mes enfants jouer dehors. Puis il y a une voisine en haut, fait qu'elle joue avec eux dehors. Ça, là, ça, c'est cool, honnêtement.
j'ai pas, tu sais, dans mon ancienne maison, j'avais une piscine creusée en arrière, puis même s'il y avait une genre toile dessus, on pouvait jamais dire hey, allez jouer dehors. Là, je peux le faire, c'est nice. C'est un peu le bordel dans ma cuisine, j'étais en train de faire du meal prep. Les enfants reviennent de jouer dehors pour dîner, petite soupe Lipton, du petit poulet cuit. Et les fruits. Légumes, concombres et... Est-ce que c'est bon? Oui! Des chandelles. Ouais, j'ai toujours des chandelles ouvertes chez nous. Puis, bon, mon meal prep. Qu'est-ce que j'ai fait? Des patates... Dans le fond, ça, c'est jusqu'à jeudi, là. Ça, c'est mes lunch à moi. Patates douces au air fryer. Ensuite, j'ai chou de Bruxelles avec bacon, moutarde de Dijon, la recette de Ricardo. Ces deux lunchs-là, lundi, mardi, c'est du poulet, du petit poulet cuit. Puis dans le fond, ce que je fais comme sauce, c'est que je mets... Attends un petit peu, là. Non, pas celle-là. Je l'avais remplie. Elle est trop forte. C'est celle-là ici. C'est la chaîne réaction de la pimenterie. Que j'allais en. J'ai un gros format, puis je remplis tout le temps ma petite bouteille, puis je mets ça dans mes lunchs. Puis je mets ça. Maman, je peux me prendre un petit train. Un quoi? Pas au complet, mais je peux plus boire. Ouais, tu peux prendre un petit peu de train. Fait que voilà, puis ici, pour pas que ça soit trop redondant, hein, je vais avoir des saucisses. Puis là, je suis en train de faire du bacon. Ouais. Pour les Subway à Laurent, mettre du bacon dedans. Fait que je suis en grosse préparation. Fait que mon dîner, moi, ce midi, je vais pas manger en même temps que les enfants parce que ouais, je me suis claqué toute la bouffe. Fait que j'avais un restant de bœuf haché. Je me suis fait une salade Big Mac. Fait que là-dedans, je mets salade iceberg. Moi, je trouve ça la meilleure. Je mets du bœuf haché, du fromage orange. J'ai mis des... je mettrais de l'oignon, mais là, j'en avais pas. Tomate, puis la sauce Big Mac. La sauce Big Mac, ben là, j'ai fait maison, puis je prends la recette de Hubert Cormier, là, sur son site internet. Je trouve que c'est la meilleure. Fait que si vous aimez les Big Mac, honnêtement, c'est vraiment bon. Des fois, je fais ça, mais version wrap, ça le fait aussi. On est prêt pour le test du fameux bonbon d'Oriane. Honnêtement, moi, je pensais que c'était des bonbons. On va mourir. Je pensais que c'était des bonbons durs. Tu sais, je me suis dit, bon, ça sera pas bon, mais ça sera pas si pire. Mais ça a l'air d'être une crème de Doriane à l'intérieur. Je suis un peu off. On va mourir. Pas ça. Non, on va mourir. Mais. Pas de bonne idée de faire ça en dedans. Puis là, il fait froid dehors. Si ça pue, qui s'engage à aller le porter dehors dans le compost? Arrête là, s'il te plaît. Là, on regarde pas ça longtemps dans la maison. Non, non, vous comprenez pas l'impact de l'odeur de ça. Non, mais. Ok, là, ils sont tous emballés individuels. Mais maman, juste prends ton casse-cou et couche ton nez parce que tu sais quoi? Ça sent le gaz dehors. Puis on a vu de la fumée. Ça sent le gaz, bon. Non, mais. Attends. Oh là là, ça va être les pires vidéos de la chaîne de maman. Ben voyons. Oh! C'est dégueulasse. Laura, j'ai payé 7,99 pour ça. Tu y goûtes, mon chat. Ben non, je comprends très bien, je comprends que tu veux écouter mon chum. Ça sent le... Ok, t'es prêt? Hey Laurent, c'est... Là, il était ici, c'est... tu fais ça, c'est toi qui m'as fait acheter ça. Attends, je veux pas ça. Tu m'as promis que tu goûterais. Ok, il était ici. Attends, coupe-le, on va voir dedans. Non, non, si tu manges ça, on va emporter ça dans la poubelle. Non, là, t'as pris juste du pain. T'as même pas pris de créma? Oui. Non. Yéta. Non, là, ça, hey, je t'ai dit, si t'avais goûté la crème, tu l'aurais recraché. Yéta. Oh, ça... Ça sent pas... Ah, tu l'as craché? Non, on dirait que c'est encore même pas d'air. C'est rare, pas bon. Alors, moi tout. Moi tout, ça, maman. Tu veux goûter? Oui. Pour vrai? Oui.
papa? Elle veut dire quelque chose. Moi, j'ai pas ça à la maison. Moi, j'ai pas ça à la maison, c'est hey, dur. Là, c'est pas moi la mère. Elle dit que c'est vraiment lui qui voulait en manger. OK? Là, on va allumer des petites chandelles pour enlever l'odeur de Dorian chez nous. Tu veux écouter mon vrai? Hey, mes enfants, ça n'a pas de bon sens. Ça sent. Oh! Jeanne, elle se réessaye pour un autre coup. Jeanne, je sais pas comment ça. Pas super! Voyons, Jeanne, tu manges rien dans la vie pis tu t'en vas manger des pizzas pochettes de durian? What? Je comprends pas. Non. C'est pas super! Hein? Est-ce que tu te forces? J'ai déjà avalé. J'ai rien! Oh, ben, Jeanne, ben... Non, je comprends pas! T'es sérieuse? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous savez pas, c'est que Jeanne, dans la vie, elle mange rien, là. Genre, elle mange rien. Puis là... Regardez, c'est déjà un emballage dans... OK, on n'a pas d'autre. Mais voyons, Jeanne, OK, bon, c'est trop pour moi. Oh, non, ton emballage... Ah! C'est bon? Finalement, Jeanne, ça l'a kick-in 10 minutes après l'avoir mangé. C'est quasiment étouffé, elle était comme ah, c'est dégueulasse! Je me demandais même si ça faisait une allergie, c'est pas drôle. Hey, tout le monde, je vais vous laisser puisque je pense que j'ai vlogué pas mal. Puis, ben merci d'avoir été encore avec nous autres. Et aussi, je vais plus jamais manger de ça de ma vie. On vous embrasse, bye!